moquez de moi ? Eh, salut les amis, je crois qu'on a de la compagnie. Ni là-haut. Donc on va pas les faire attendre, hein. Voilà. Au revoir. Donc, dans le dernier épisode, on a entamé le début de notre petite soirée avec Sander Cohen, qui est, je tiens à le dire d'avance, mon personnage préféré de tout le jeu. Et... surtout la version originale, en fait. Mais bon, de toute façon, je l'ai déjà dit, je le répéterai pas. Oh, un plasmide qui utilise des... un chrosome qui utilise des explosifs. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu un. Hop. Et pour ce qui est des recherches, je cherche surtout à les faire de manière active jusqu'au quatrième palier. Jusqu'au cinquième... bof. Le cinquième palier apporte juste un bonus de dégâts. C'est les paliers 2 et 4 qui sont surtout intéressants parce qu'ils peuvent vous offrir des plasmides ou des bonus uniques. Et c'est vraiment tout ce qui m'intéresse en fait. Le bonus de dégâts, je n'ai pas vraiment besoin. Ce qui me fait penser qu'il faudrait peut-être commencer à rechercher les tourelles et les machins parce qu'à chaque fois j'oublie de les rechercher. Ah ouais. Norme. Je vais peut-être faire le point de... Ils sont sérieux, ils vendent de la chevrotine ionique, mais pas de chevrotine normale. Un peu ridicule, je trouve. Bref. Et bien maintenant qu'on a exploré un peu le coin inférieur de l'atrium, on va pouvoir aller explorer le supérieur. Ça pourrait pas être plus lente ces portes. Où ça? Quoi? Non, encore là-haut, ok. Sérieux, je peux pas le... Blah. C'est bon, vous allez me foutre la paix. Merci. Bon, je vais en profiter pour... enfin, pendant que l'alarme sonnait, j'en ai profité pour récupérer la recherche sur les... Les robots de sécurité. Et le niveau 4 de recherche pour les robots de sécurité, les tourelles et les caméras est très très intéressant. La raison pour laquelle c'est aussi intéressant, c'est que ça vous donne un hack gratuit et immédiat qui réussit tout le temps sur la machine que vous avez recherchée à 100%. Donc, ouais, intéressant. Intéressant, intéressant, surtout si vous voulez avoir une armée de robots qui vous suivent partout. Et je commence à plus avoir de munitions mitraillettes. Et de fusils à pompe. Et de rien du tout en fait. Hop, j'en ai deux. Quelques remarques au sujet de la dernière insulte musicale d'Anna Culpepper. Avec tous les artistes dignes d'intérêt qui résident à Rapture. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous consacrez votre colonne à cette aberration musicale. Quand elle n'est pas banale, elle est assommante. Quand elle n'est pas assommante, elle est prévisible. Quand elle n'est pas prévisible, elle est dangereuse. Oh, on peut fabriquer des... Ouh. Oh, je me souvenais plus de ça. Je vais définitivement prendre celui-ci que je vais mettre à la place de... Ah, à la place du camouflage. Parce que le camouflage est un plasmide drôle, très drôle. Mais j'ai pas tellement envie d'en abuser. Je vais juste devoir faire attention à pas... à pas activer les alarmes.
Ok. Quoi? Oh non, j'ai encore gâché des ressources. Ça m'arrive trop souvent, ça. Yeah. Mais bon, quoi qu'il en soit. On avait rendez-vous avec Sanders Cohen, si je ne m'abuse. Et pourquoi est-ce que je dis Sanders Cohen? Ah! J'avais oublié qu'il y avait une... Enfin non, j'avais pas oublié, je me souvenais qu'il y en avait une, mais... La question, est-ce que je peux... Ouais, je peux rechercher les robots neutres. Ah, sympathique. Mais je vais pas le faire parce que j'ai déjà chopé le niveau 4 de recherche des chiens. Bon ben... Hop là. C'est les bidets qui sont tout le temps... Voilà maintenant Fitzpatrick en pleine heure de gloire. Je crois que vous avez un œil de photographe, petit papillon. Maintenant, dirigez-vous vers l'atrium et placez ce cliché dans mon chef-d'œuvre. C'est ainsi que commence notre collaboration. J'ai peur. Aïe. Aïe. Je dis... Je vais arrêter de me bloquer dans les sièges, oui. Il me semble qu'il y a quelque chose à récupérer par là. Si je réussis à retrouver où c'est... Ouais, là-haut. Ok. Alors, réussir à grimper là-haut... Ce qui ne devrait pas en soi être trop compliqué. Je peux ouvrir cette porte? Bien, je peux ouvrir cette porte. Je ne peux pas ouvrir cette porte. Ah. Démonstration d'athlétisme. Zut de flûte, Cohen, je t'interdis de te foutre de ma gueule. Et oui, zut de flûte. Raganaziel de mes devoirs. Voilà, merci. Ok. Je me disais bien que j'avais entendu quelque chose spawner. Bon. Non mais madame, sérieusement. Mais c'est pas vrai, il y en a un autre en plus. Foutez-moi la paix. Alors, est-ce que je peux sortir de ce balcon, s'il vous plaît? Merci. Parce que c'est pas que vous êtes lourd, mais vous êtes lourd. Ok, désolé pour cette interruption. Apparemment, quand il y a marqué ne pas déranger sur la porte, les gens ils comprennent pas. Et moi je me croise dans les murs, c'est formidable. Je vérifie juste s'il n'y a pas quelque chose à récolter de ce côté-ci. Il me semble que non.
Ok, cool, on a tout vérifié. Viens, viens, viens. Voilà. Et... Oh, les chips. Donc ouais, maintenant qu'on a fait ça, on va donc aller... Qu'est-ce que je... Oups! Vous peindrez votre œuvre avec le sang d'un homme que j'aimais autrefois. Oui, je vais vous envoyer à Ryan. Mais vous devez d'abord faire partie de mon chef-d'œuvre. Allez à l'Atrium. Faites vite! Ma muse est une garce inconstante qui ne me consacre qu'une attention très brève. Hop, niveau 2 de recherche sur les tourelles. Ça double les munitions qu'on peut obtenir en... qu'on peut obtenir sur les tourelles détruites. Mais c'est surtout le niveau 4 qui m'intéresse, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, ça nous donne... des tourelles gratuites, pratiquement. Le bon d'avoir plus de munitions de mitrailleuse sur les tourelles reste quelque chose de spécial. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Allez. Des mines de mitraillettes et des trousses de soins. Merci beaucoup. Que des trucs dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est vers ceci qu'ils se tourneront. Mon quadriptyque, mon chef-d'œuvre. Allez-y, n'ayez pas peur. Touchez-le. Voici Fitzpatrick, libéré de ses tares et de ses défauts. Et voici la grande nouvelle. Nous en sommes à l'instant de la conception. Il y a ici trois hommes. Tous étaient mes disciples, et tous ont un point commun. Ils m'ont trahi. Trouvez-les, petit papillon, et immortalisez leur mortalité dans mon quadriptyque. Allez, quand ils auront reçu leur récompense, vous pourrez aller chercher la vôtre. Et... Ryan. Bon, ben... Ouh, j'avais pas vu ce journal-là. Bon, et ben du coup... On a obtenu un nouveau joujou, l'arbalète. C'est un peu l'équivalent d'un fusil sniper dans ce jeu. Mais on n'ira pas la tester avant le prochain épisode. Aïe. En attendant, bah portez-vous bien. Et je vais vous passer le journal qu'on vient d'annoncer. Encore un lapin. C'est la deuxième fois cette semaine, depuis que mon visage a été... La porte de la Plaza Poseidon vous est maintenant ouverte. Cohen ! Encore un lapin. C'est la deuxième fois cette semaine, depuis que mon visage a été... Steinman m'a remodelé, mais je ne suis plus la même depuis l'explosion. La solitude me laisse le temps de réfléchir. Qui peut me haïr au point de me faire une chose pareille ? Que leur ai-je donc fait ? Je pense à tous les bandits et à tous les terroristes que Ryan a bouclés sur la place Apollon, et ça me rend folle. Parfois, j'ai même du mal à respirer. Si je pouvais les confronter, leur dire tout ce qu'ils m'ont fait, comment ils ont provoqué ma ruine et celle de Rapture, je me sentirais peut-être mieux.